Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Civilization 5 en compagnie de Yalamu. Deuxième partie de notre grosse session du samedi soir. A toi la parole, Yalamu. Oh yeah, donc bonjour à tous les... Oula, ça bug. Ce épisode d'appelé qu'on fait ensemble. Épisode de Civilization 5 en compagnie de ce vieux sac de Learn to Play. Attends, Yalamu, tu peux la refaire s'il te plaît? Ça a complètement bugué au niveau de la conversation. Résultat, on n'a rien entendu. Vas-y, refais-la. Non mais, tu as pris pourquoi là? Vous avez vu le mec, quoi. Je suis complètement désolé. Le mec, quoi. Donc je vous disais bonjour, je vous disais que vous étiez tous des enfoirés, hein, donc pas moi. Et voilà, c'est fait. Ah là là, regardez-moi cet enfoiré. Bref, on en était au point où c'est que moi j'étais en train de faire des chemins de fer dans tous les sens. Ouais. La déchéance la plus totale au niveau de l'or. Ouais, pareil, moi je postais mes troupes aux frontières de Palenque, là, pour aller exploser Pascal. Et des parachutistes, tiens, ça pourrait le faire ça, les parachutistes. Ouais. Et je vais faire ma mission. Oh, attendez, il va falloir que je vous dise un truc. Deux secondes, s'il vous plaît. Non, mais là, t'es pas sur ta partie solo allemande, hein. Ouais. Je vais faire un port ici. Regardez, j'ai réussi à envoyer un marchand illustre à Kuala Lumpur. Et regardez ça. Mission commerciale. Je vais gagner 30 d'influence et 1206 d'or. Hop, paf. 1206 or gagné, j'ai 7000 d'or. Et j'ai un deuxième marchand illustre qui est sur le point de se rendre à Kuala Lumpur. Donc c'est total bénéf, les amis. Total bénéf. Là, je me prépare, je remplis mes coffres avant la guerre. Ça va être génial. Enfin, ça va être génial. Ça va être génial. Au niveau des bonheurs-malheurs, t'en es où? Au niveau des bonheurs-malheurs, je suis à 0. 0 de bonheur. Ah ouais, donc en bref, tu vas prendre une ville, tu vas te retrouver à plus de 10 de malheur, quoi. Oui, si on veut. Bon, je te laisse pas l'ink, Chiganiza, moi je veux juste Tikal comme ville, hein. C'est tout ce que je veux. Ok, on fait comme ça. Parce que moi j'aimerais bien avoir toute cette parcelle. M'étonne, elle est intéressante cette parcelle, y'a quoi dessus d'ailleurs? Y'a rien. Non, en fait, c'est juste. Y'a du sucre et tout. Y'a du pétrole, y'a du pétrole. Ouais, y'a du pétrole, c'est vrai. Y'a pas mal de pierres. Y'a de l'ivoire, ça peut être intéressant. Ah, c'est clair que l'ivoire, c'est une belle ressource de luxe, ça. Voilà, y'a quelques trucs. Bon, c'est pas folichon non plus, mais. Et je passe le tour. Je sais pas tout à fait terminé. Moi, vois-tu. Toi, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Toi, tu vas faire encore une. Voilà. Ah oui, alors est-ce que je peux bouger mes aéronefs? Oui, tu peux les changer de ville. Oui. Réaffecter sur l'hangar. Ouais, je peux. Il va certainement te falloir le faire en étape sur pour Arnhem. Ah, sur Tilburg, bien vu, ouais. Tilburg, et puis aller à Arnhem. Parfait, ça. Bon, ils seront un peu obsolètes, mais ils feront quand même du dégât. Hein. C'est pas moi, j'ai deux bombardiers sur Truro qui vont pouvoir faire. Ah, Breda, qu'est-ce que tu peux me faire, Breda? Je peux bombarder Tikal, tiens. Tu peux faire un hôpital à Breda. Dans 4 tours, on aura découvert fission nucléaire, ce qui nous permettra de faire la bombe atomique, des bazookas et des centrales nucléaires. Putain, centrale nucléaire, c'est vraiment intéressant. Putain, j'adore quand on arrive comme ça à la fin du jeu, on va dire à haut niveau, comme dans les RPG, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Bon, au lieu de parler le canadien, tu passes ton tour. Attends, j'ai pas tout à fait terminé, j'ai des stats bientôt terminés. Oui, je passe le tour. Ah mais t'as toujours pas d'uranium, c'est vrai? Si, j'en ai. Je t'ai dit, j'en échange avec qui d'ailleurs? J'échange l'uranium avec qui? Ah oui, avec Portugal, ouais. Tout à fait. Avec le Portugal, j'échange. Alors... Ouah, je gagne plus rien. Je gagne plus que 15 d'or. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, je suis à moins 57 avec les 7 occupés, donc bon. Ça c'est parce que je fais des unités en même temps. Et c'est parce que... Ah bah voilà, c'est parce que j'ai une route commerciale qui a... Paf, voilà, d'accord, non, en fait ça n'a rien changé, je gagne quand même plus... Ah non, si, c'est que ça n'a pas eu le temps d'actualiser, enfin d'actualiser plutôt. Allez, actualise. Putain, j'ai hâte de faire la bombe nucléaire, mais ça va être la foire, là, ça va être la foire. On lance l'attaque quand, tu penses? Parce que moi, là, regarde, j'ai bientôt plus de place au niveau des frontières. Dès qu'on a une bombe nucléaire. Ok.
Bon, bah je pense qu'ils vont prendre cher. Hein. Attends, Pakal, ils sont avec qui? Ok, les Indonésiens, on s'en fout. Pour être sûr, hein. Alors, mes aéronefs, vous allez aller à Arnhem. Ah non, pardon. Affecté. Arnhem. Voilà. Et je peux en laisser un à Tilbourg éventuellement. Non, ça vaut peut-être pas le coup. Hop. Voilà. Ici, toi tu... Toi tu peux aller là, tiens. Ça coûte très très cher les voies ferrées, c'est. Ah oui, c'est énorme. Un truc de fou quoi. Ouais. Bon, j'ai deux bombardiers pour toi. Tu peux venir en aide. Ok, bah attends, moi je suis en train de. À 50 heures l'unité, je les améliorerai directement, comme ça, ça fait plus d'effet. Tu les as achetés? Je peux les acheter moi aussi, tiens. Tu peux les améliorer. Pas les acheter, d'accord. Tu peux les améliorer. Ah ouais, ouais, les améliorer, pas con ça. Ah ouais, pas con. Je crois. Ah, mais je peux pas le faire maintenant. Ici du coup ouais, tu vas me faire un bombardier 7 tours. Pff. Allez 7 tours. De toute façon, tu remarqueras qu'Edimbourg est à plus de 100 de défense. Ouais, c'est pas mal ça. Je suis un des parachutistes. Voilà. Ouais, c'est parce que c'est avec énorme, toutes ouais. Les unités que je fais, forcément, ça me coûte très très cher. Mais j'arrive quand même à avoir un solde positif. Ça, on s'en fout. Mais là, je suis en train de lancer la prod en masse de véhicules terrestres. Ah, j'ai pas vu, merde. Attends, c'est quoi? J'avais une. J'ai produit une mitrailleuse, mais je ne sais plus. Le mec, il a perdu ce qu'il vient de produire ou quoi? Non, attends, mais elle est où? Ah, c'est ça. Voilà. Voilà, précision. On peut se déplacer. En fait, t'as une mitrailleuse néerlandaise. J'en ai deux même. T'as vu qu'il y a Sam là-haut qui se dirige vers Tilburg? Où ça? De qui? Il y a Sam qui se dirige vers Tilburg. De qui? Sam. C'est qui? Sam, lance missile, Sam mobile. Ah non, lui il est là depuis tout à l'heure, il est là. Il fait rien. Il y a ça Sam fait... qui se balade quoi. Sam il se balade, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais il conduit pas, j'espère. Hein. Allez, parce que là il a l'air un peu bourré quand même. Une université ici, ça va maxer ma science. Oh, quand je vais avoir protectionnisme, ça va être le bonheur. Bon, je passe le tour. Bon, on va bientôt pouvoir lancer l'attaque. Je vais avoir des bombardiers, ça va... Putain, eux, ils ont des bazookas, n'empêche. Hein. C'est assez puissant. Mais pourquoi il m'a pas pris le charbon, là, ici, là? J'ai 7 charbons, il l'a pas exploité, je comprends pas. Genghis Khan entre dans une ère de l'informatique, putain. Oh là 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 là. Ils sont en avance les mecs quand même. J'avoue. Campement barbare découvert. Putain, je n'ai plus que 17 d'or. Oh là 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 là, ça fait mal au derche ça, hein. Ça fait bien mal au derche, hein. Il est où ce campement barbare? Je sais pas du tout. Putain, le temps que moi ça charge là, c'est chiant. Merde. Ah, il est après Coupang là-bas, il est loin. Oula, je sais même pas d'où tu me parles. Ah oui, alors je peux améliorer 75 d'or. Oh oui, c'est bon ça. Ah, c'est bien, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bombardier. Que je pourrais affecter. Bien là, c'est ma capitale a été faite. J'ai 3 bombardiers maintenant. Ça coûte cher. C'est cool. Putain. Ah oui, ça coûte cher. Oh là là, bon, maintenant je produis plus d'unités à part la bombe nucléaire. Hein, parce que là, regarde, j'ai plus de place sur les frontières. Et... Enfin, sauf quand on sera en guerre, bien sûr. Mais parce que là, ça coûte vraiment cher. Hein. Je vais bien ah oui, ça coûte négatif. Cher. Heureusement, j'ai une mission commerciale. Donc. Alors, à Tilburg, qu'est-ce que tu vas faire à Tilburg? Tu vas faire le grenier à Tilburg. À Utrecht, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas faire un musée à Utrecht. Musée. Comme ça, j'aurai un putain d'emplacement de chef-d'œuvre.
Ici, tu vas me faire un caravanserail. Voilà, histoire de gagner un peu plus. Et ici, tu vas me faire un arrêt au port. Pardon. Bon, j'ai fait une boucle. Je vais faire une caserne. Bien pouvoir défendre ces 5 positions avec les chemins de fer. J'ai rien compris, ça a bugué. J'ai fait une boucle entre Edinburgh, Uxmal, Truro, Limerick et Pézance. Ok, ok. Histoire de bien pouvoir défendre le truc si jamais. D'accord. Putain, je suis dans le malheur, je vais avoir encore des citoyens. Je suis à combien en démographie? 55 millions, d'accord. Je vais rater dessus, on a de vous en race. Je suis à 40 millions. Ah, et tu rattrapes, hein. Je rattrape. Mais t'as beaucoup plus de villes. Allez, on passe le tour. Dans 2 tours, fission nucléaire. Allez, faut qu'on le passe vite, là. 3 tours, fission nucléaire, 3 tours. Non, 2 tours. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai dans 3. Moi, j'ai dans 2. Je croyais qu'on l'avait ensemble. Bah ouais, écoute, moi j'ai dans 2. Dans 1 tour, là. Et c'est écrit, hein, je te le dis et je te mens pas, je te jure. Ah non, mais je te crois, y'a pas de soucis là-dessus, ça doit être une erreur d'affichage. Putain, 3 de malheur. Putain, ils vont prendre cher là. Oh, quand je vais lancer l'assaut, mon dieu. Route commerciale pillée entre Harun Rashir et Damas. Allez. Entre Damas et Rennes plutôt. Ah là, j'ai pris du 56 millions. J'ai pris quand même. Alors, mission commerciale, je lance pas encore. Paf. Alors, bah toi, t'as plus rien à foutre. Bah écoute, tu vas aller là-bas. Hein. Donc, vous allez dormir pour l'instant, dormir. Et toi, tu vas construire, eh bien... Ouais, tu vas construire une mine. Oh, t'as cloco découvert. Ouais, c'est à peu près ça. C'est aussi le bug que j'ai eu en essayant de prononcer le nom de cette ville. D'accord. Ah là là, bon. Ah putain, ça va me coûter cher ces bombardiers, ces parachutistes là. Mais bon. Faut bien ça pour aller les finir. Bah dès qu'on a la bombe nucléaire, on attaque. Hein. Écoute. C'est ça. Tour suivant. Moi je ne suis pas encore là. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Là on a de quoi vraiment leur faire mal avec les bombardiers, c'est... Et une fois qu'on aura complètement tout l'ouest de la carte, là on sera juste surpuissant, c'est tout. Vague, hein. Ouais, ça va être la vague. Quand on aura les robots, il nous reste encore beaucoup de technologie à faire. Hein. Attends, je vais aller voir l'arbre de techno juste après, là. S'il veut bien. Alors, la prochaine ère, donc ère de l'info, qui est la dernière ère. Ouais. Il va falloir faire l'informatique, putain. Eh, hey, on est deuxième au classement. Putain, bien. On a vachement bien remonté, je trouve. Putain, hein. Il nous faut des méga colosses fusion nucléaire. T'as vu combien ça coûte un uranium, ce truc? Un Deux uranium unité, je crois. Un uranium unité. Ouais, je peux en avoir 8. Bon. Ah là, vous il stresse. Avez découvert la fission nucléaire. Yeah! Attention, je lance la construction de ma première bombe nucléaire. Oh, je peux faire une centrale. C'est bien. Bombe atomique, 6 tours. Avant ça, moi, je vais lancer... Dans 6 tours, mon gars. Les armes combinées. Oh, c'est quoi ça? Il y a un sous-marin portugais à côté de chez moi. Armée combinée, pénicilline, fusée, on prend quoi? J'ai pris l'armée combinée, comme tu peux le voir, certainement. Je prends la pénicilline, moi. Ok. Comme ça, ça sera fait pour faire des laboratoires médicaux. Je gagne plus que 9 d'or. T'imagines, j'étais à 100 au début de...
Je t'ai réaccidenté. Et tu te fortifies, Coco. Putain, t'imagines. Moi, je suis en train de... Oh, c'est fou, hein. Terraforming. Tout mon pays. Ouais, moi aussi. Un truc de malade à faire aussi. Moi aussi, mais là, j'ai plus d'or, hein, putain. Enfin, je vais... Putain, je gagne plus rien. Ça coûte tellement cher. Plus toutes les unités, là. Oh, c'est chaud. Oh, il y a un Indonésien qui... Merde, les Indonésiens, ils sont venus prêter main forte, j'ai l'impression, à... Au prochain tour. Un Indonésien. À Shikaniza. Ah bon? Bah, ils sont alliés en même temps. Bah oui, justement, mais... ils savent que quelque chose se trame. Oh bah oui, t'as toutes tes unités massées autour, ils savent bien entendu quelque chose se trame là. Ah, je sais pas, c'est une IA, on sait jamais, hein, ils peuvent être cons. On fait quoi, embargo sur le Japon? Embargo sur le Japon. Hein. Allez hop. 21, oui, embargo sur le Japon, oui. Alors là, c'est enfoiré. Allez, putain, je vais pouvoir faire une centrale nucléaire, ça va être l'orgie quoi. Alors, s'il passera pas l'embargo sur le Japon. Par contre, l'embargo sur le Portugal va passer. On verra. Bon. Donc il y a oui. Au niveau du Japon, il y aura deux civilisations qui disent oui. Non, il y a 38 délégués, 6 civilisations. L'embargo au Portugal, par contre, non, il y a 18 délégués, 3 civilisations. Oui, il y a 32 délégués, 5 civilisations. D'accord. Ok. Bon, ben, je passe le tour. Moi, j'en suis pas là encore. Oh putain, il est long pour une fois que j'ai... Ah non, attends, il manque un truc. T'as de la chance. Putain, Il faut aussi que je trouve un endroit pour balancer une bombe nucléaire. Putain, également. Faut que je mette. Oh bah. Putain, je sais où je vais mettre une ville. Je vais en mettre une ville juste ici, là. Sur la petite corniche. Une ville côtière, ça sera cool. Ouais, faut. Bah oui, bien sûr, c'est ce qu'il te faut faire. Hein. C'est ce qu'il te faut faire. Hein. Par contre, l'embargo sur le Japon, s'il passe, il va te coûter cher à toi. Non, j'échange pas avec eux. Ah, quoique. T'as toutes les caravanes? Ah, ouais, si. Putain, merde. Je suis teubé. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Moi, je veux la bomba. La bomba. Au prochain tour, à Edinburgh. Merde. Évidemment. Portugal qui est passé? Non, c'est Japon qui est passé. Et évidemment, je perds moins 60 par tour. Merde. Japon adopté. Oh yeah. Merde. Tout le monde a voté oui, hein, là, il y a oui, 3, oui de la Russie, Mongolie, Byzance, Celtes, Pays-Bas. Non, il y a Japon, Indonésie, Arabie, Allemagne, Aztèque et Maya. Oh. Toi, tu me fais un missile nucléaire, c'est direct. Okay. Bon, bah, j'ai limité les dégâts, je perds moins 30, mais putain. Moi, je perds moins 100. What? Ouais. Ici j'ai pas le choix, faut que je fasse des banques et tout. Hein. Putain, évidemment quoi, quand ça nous arrange pas. Bon, en même temps, c'est de ma faute, j'ai voté, mais je suis stupide. C'est pas grave. Ok, bah voilà, c'est bon. Toutes leurs frontières sont bouclées. Ouais, c'est ça qui est bon. Ça. Faut que je fasse des marchés. Hein. Oui, du l'autre. Ah, mon ami Shorkan Gollum. Qui est heureux d'avoir du l'autre ce soir. Enfin, la vidéo que j'upload. T'as vu les Portugais là? Ils sont en train d'essayer de m'envahir par le côté, j'ai l'impression là. Non, je regarde pas. Enfin, deux secondes là, je. Pompeur, c'est portugais. Portugais. Bon, même si je suis dans le. Déficit. Ah, je peux commercer avec toi. Nourriture par tour, production par tour. Pff, tellement de villes, je sais même pas quoi prendre. Prendre n'importe quoi. Hein. Édimbourg, allez hop. Moi ça va, j'ai un trio de 4 villes là. Plaisance, Dublin, Cardiff, Édimbourg qui se développe super bien. J'ai Nantes et Truro juste derrière. Pas mal. Alors, toi, tu vas me faire une centrale nucléaire.
putain, je vais maxer les centrales nucléaires. Là, de toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire, je pense. Alors, c'est tout brillé, là. Cher en entretien. Oh, j'ai plus que 2 d'uranium. Putain, faut que je fasse gaffe. Je vais faire ça un hôtel. Ça me fait du tourisme. Bon. Bah, il manque plus qu'à attendre 5 tours hein, et on pourra commencer à attaquer. Hein. Ouais. Moi, dans 9 tours, moi. Dans 10 tours quoi. Ah oui, forcément, il faut le temps que je le fasse mon missile. C'est rigolo toi. Ouais. Ah oui, par contre, il apparaît sous quelle forme? Un missile. C'est un missile, mais. Il va te falloir le déplacer sur une ville. Oui. La plus proche possible pour ensuite pouvoir l'envoyer. Ouais, d'accord, ok. Pas de problème. Et on va enfin pouvoir les démonter. On va les atomiser. Ah ouais, là ça va être. Jeu de mots! Oui, il est content, Yanamu. Non, mais là, je vais tout envoyer d'un seul coup, ils vont prendre cher. Plus tous les bombardiers là. Putain, ils vont prendre cher. Toi, t'as intérêt à les envoyer, tes troupes aussi, hein. Bah, regarde, elles sont amassées à la frontière de Truro, mes troupes. Recherche une merveille naturelle. Oh, je l'avais oublié, lui, attends, merde. Combien? 1200, bam! Ah merde, attends, ça a pas chargé. Ça va compenser ma perte d'or. Allez! En plus, je vais devenir ami avec eux. Avec la seule cité état qu'on a découverte. Bam! J'ai 8000 d'or. Du coup, toi, tu. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas aller là, toi? Ah, y'en a un qui veut faire l'exposition internationale. Moi, ça, je voterai oui. Attends deux secondes. Ça rapporte masse de trucs. Ah ouais, 100% pendant 20 tours. Doctrine gratuite, 500 points supplémentaires. Oh oui, j'aime. Oh oui, carrément. Ah ouais, carrément, ouais. L'autre, il propose son pauvre embargo, ouais. Oh. Oh, putain, d'accord. C'est bon. Je suis quand même dans le malheur. Par contre, si on fait l'exposition internationale, du coup, il va falloir reporter la guerre, mon ami. Eh ouais. Ici, je vais faire un tour de radiodiffusion. Quoi? Mais attends, tu déconnes, j'ai fait un musée pour avoir un chef-d'œuvre et je peux même pas. Oh, je suis deg. Putain, je suis dégoûté. Moi, tu vas camper, hein. Continue de camper ici, mon gars. Oh putain, évidemment, j'ai fait la bourde. Bon, c'est pas grave. Il a fait la bourde. C'est vraiment gênant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Bon, bah, tour suivant, du coup, là. Allez, plus que 3 tours. Je frétille d'impatience, les amis. Je frétille. Mon dieu, mon dieu. Je frétille. On va les défoncer. Enfin, on va le défoncer d'abord. Ça va être le début de la vague atomique. Parce que là, après, je vais commencer à faire 2 autres bombes nucléaires que je vais préparer pour les Japonais. Et ensuite, bah, je me ferai tranquillement les Portugais. Je suis dans le bonheur. C'est cool. Bien joué. Moi, je suis dans le malheur encore. Ouais. Ah, mais t'inquiète, je vais pas y être longtemps parce que je vais avoir gagné au moins 3 citoyens. 4. Ouais, je vais gagner 4 citoyens d'un coup. Là, ça va faire super mal. D'accord. Moins 74 d'or. T'es sérieux là? Putain. Ah merde. Oh là. Je perds moins 74 d'or là. C'est quoi ce délire? Je sais pas ce qui s'est passé avec Marie Première, mais alors. ça fait mal hein. Je suis à 9 de malheur. Moi je suis à moins 74 d'or par tour là. Attends, faut que je rentre en contact avec Marie Première. Ah ouais, mais entretien des unités, non. Oh, c'est abusé, ça. Je crois qu'elle a perdu une ville, Marie Première. Ah, merde. Du coup, faut que je trouve à changer, hein. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là après pour les voies ferrées.
Parce que là, j'ai vraiment plus de thunes. Enfin, je perds beaucoup trop là. Voilà, ah, ça va être le dernier truc. Je vais aller là. Et non, voilà, comme ça, j'ai complètement terminé. Putain, je perds moins 74. Oh, ça fait mal au cul. Ouais, ça fait mal au cul. Vous êtes Mouta, il va m'échanger, Bismarck. Ah non, 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 je veux pas te déclarer la guerre, je veux échanger. Ah non, c'est bon, je perds que moins 50, c'est parce qu'il y avait une route commerciale qui était... Ouais, ça c'est pour avoir des... Des villes qui font la fête. Bah écoute, encore une centrale nucléaire. Ah ouais, mais ça... Ça va me faire du bonheur, c'est vrai, de la prod, mais ouais, c'est cher quand même. Je vais faire un hôtel. J'ai envie d'avoir plus de culture. Accord proposé. Sucre, marbre. Ah ouais, merci. Tu m'as fait baisser mon malheur et je gagne un peu plus d'or. Moi ça me coûte rien. Enfin, ça me coûte rien de faire ça, donc je suis toujours à 9 de malheur, quoi. D'accord. Ah, ok. Pardon. Bon bah allez hop. Oh, j'ai encore un ingénieur illustre. Blaise Pascal. Tu restes là, mon ami. Ouais, j'ai plus qu'un d'uranium. Je pourrais faire qu'une deuxième bombe. Parce que là, j'ai lancé des trucs atomiques. Il faut que je chope ça, là. Je peux pas l'acheter, merde. Bon. Dans deux tours encore. Putain, c'est chiant, là, cette bombe nucléaire. Elle se fait attendre. Se fait attendre, hein. Croyez-moi. Elle te fait attendre, ouais, tu m'étonnes. Celle-là, faudrait que j'ai... Putain, mais ces unités, je vais la dissoudre, je pense. Oh, putain, j'ai détruit une unité de fusilier, ça m'a fait 10 d'or en moins, quoi. Enfin, dans le budget. Celle-là aussi, ah bah je vais la détruire. Putain. Ah, voilà, 25, et la Gatling. J'ai un général illustre aussi, je vais faire une citadelle ici. Voilà. Je fais ici. Tu peux voir que je suis pénétré sur un nouveau territoire qui est celui des Allemands. D'accord. Qui est pas mal. Bon, ici je vais pas. Bon, les gars, là il nous faut du bonheur là. C'est une citadelle, si jamais le Japonais pète un câble, je serai bien défendu. Ok, bon bah je peux passer le tour. Je suis plus qu'à moins 4 de difficulté. Une unité a été dissoute, what? Allez. Bande d'enculés. Ah ouais, bah, vite. Perds 130 heures par tour. Ah ouais, vite. Quoi? Bah faut qu'on commence à attaquer, sinon tu vas perdre tes unités. Donc dans un tour, après celui-là, on pourra commencer. Enfin, on pourra lancer l'attaque. Même si la bombe nucléaire sera pas à côté, je sais pas comment j'arrive à perdre d'or. Je sais pas. Il y a un truc qui doit m'échapper là. Va falloir que je refasse le tour de toutes mes villes, il y a un truc qui m'échappe. Ouais, mais essaie de produire de l'or dans tes villes, enfin. T'es à combien en démographie? Je sais pas. Je suis à 58 millions. Je veux pas me donner pour l'instant. Je suis à 41 millions 8. Putain. Eh, 3 fêtes du roi. Putain, avec ton sucre. Ah bah oui, hein. D'ailleurs, moi, je t'ai pris ça parce que ça allait également me donner certainement quelques fêtes du roi, vu qu'ils en réclamaient. Il me semblait qu'ils en réclamaient. Donc bon. Ouais. C'est sympa, ça. Allez, vas-y. Route commerciale est pillée. Allez. Le Portugal a dénoncé les Aztèques. Putain, en fait, toi tu vas aller. Unité dissoute. Allez. Unité se ramasser, bien entendu, hein, bande d'enfoirés, va. Mec, il s'énerve. Il me faut des unités dans mes villes parce que sinon ça me crée du malheur. Ah ouais. Ouais, c'est chiant ça. J'ai des paras. Bien. Hop là, tout ça s'est relié à la voie ferrée. Et voilà, j'ai fini mon réseau. Pouf. Putain, et dans un tour la bombe nucléaire, les mecs. Oh, ici, qu'est-ce que je peux faire? Un zoo, une bourse. Alors,
Excusez les gens, ça va être très chiant de mon point de vue, mais il faut que je vois tous les spécialistes que j'ai, il faut que j'en mette dans les banques, il faut que j'en mette dans les bourses, afin de récupérer de l'or, même si ça va me créer du malheur, je le sais. Donc nourriture, c'est bon, or, je produis 140 ici. D'accord. Et là, on va enfin pouvoir lancer le combat. Je te propose de lancer le combat d'ailleurs, non? Ou on se laisse encore un tour, comme tu veux. Bah attends, moi pour l'instant d'abord, faut que j'arrive à refaire un petit peu l'histoire là, parce que... Ok, au prochain tour, on déclare la guerre, je te propose ça, ok? Hein? Allez, parce que là, il n'y a pas eu d'action, là. C'est pas faux, il n'y a pas eu d'action, c'est vrai. Allez, on lance, au prochain tour, on lance la guerre. Allez, c'est parti. On va pas se faire chier. Ah, ils sont amis avec moi, les... Tour suivant. Je vais bientôt avoir le protectionnisme, je vais avoir du bonheur. Paf. Démographie, ça va encore augmenter à mort. Ouais, toi, ça va augmenter à mort, ouais. À mort, mort, mort. Mort, mort, mort. Ok, je continue à gagner de la nourriture. Bon, certes, ça va me faire gagner moins de nourriture, les gens, hein, mais là, c'est un mal nécessaire, je pense. Il me faut des gens dans les banques et dans les marchés, dans les bourses. Allez, vas-y, passe le tour. Autant, je ne suis pas là, moi, mon ami. Là, sur ce coup-là, je suis en train de faire le tour de toutes mes villes afin de voir où c'est que j'ai des possibilités de faire de l'or pour en faire. Ça m'étonne quand même parce que tes villes, elles sont vachement développées quand même. Hein. Regarde, t'as 24, 25, 24, 20, 13, 12, 19, 15, 18, 13 et tu me dépasses pas, quoi. 13 encore, c'est abusé. Moi, j'ai que 17, 28, 15, 9, 11, 16, 17, 14, 7, 41, 12. Ouais, quoique, c'est vrai que... Ouais. Le 41, il joue vachement quand même. Ouais, le 41, il quand même. Il... Bon. Ah bah attends, mon ami, là, je suis en train de gérer toutes mes villes, là, tu vois, donc. Je vais garder l'arbre technologique. Putain, satellite, c'est pas mal, ça. Ah ouais, non, mais victoire scientifique, on s'en fout. Révèle la carte. Oh ouais, putain, c'est ce qu'il nous faut, ça. Balistique avancée, missile guidé. Oui, j'aime. Fusée de lancement, ça, on s'en fout. Missile nucléaire. Ah ouais, missile nucléaire, c'est bien. Ça aussi, il nous faut. Hélicoptère de combat, c'est pas mal. Informatique. Moi, j'ai pas beaucoup d'aluminium, par contre. Char, il nous faut armes combinées. Bon, après, pénicilline, on part sur armes combinées. Ouh, pas mal, ça. Écologie aussi. Panneau solaire, centrale solaire. Opérative. Ça peut être pas mal, en centre effet. De recyclage. Ah ouais, putain. Les technologies sont vraiment... Pardon, pas mal après. Je souhaite. Merci beaucoup. Croiseur lance-missile, chantier spatial. Putain, mais il nous faut les méga colosses. Bon, je suis descendu à moins 55 or par tour. J'ai fait le petit clin d'œil. Ils ont mis les squads XCOM. Ouais. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Ah si, c'est le clin d'œil à XCOM. Parce que regarde, unité d'infanterie futuriste capable d'atterrir en plein champ de bataille depuis l'autre bout du monde. L'escouade peut se déplacer et piller après son atterrissage, mais ne peut pas s'engager au combat avant le tour suivant. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Bon, dans quelques tours, j'ai quelques stats qui vont se terminer. Ça va faire du bien parce qu'alors. Alors. Bon, moins 31 d'or. Ouais, ça, c'est la bombe nucléaire qui a. Putain, pas cal entre dans la info. Faut vite qu'on le défonce. Moi je suis à moins 55 heures par tour encore et j'arrive pas à m'en sortir. Je peux adopter une doctrine. Cool. Attends, on va faire ça. Bah tu vas adopter la doctrine. Ouais, le protectionnisme. Ah moi c'est ce que je veux là. Ah je suis à 10 de malheur, l'arme. L'arme c'est à 10 de malheur, ça va. Je suis à 10 de malheur, ça va pas le faire. Ah merde. Attends deux secondes. Putain, va falloir que j'attaque le rationalisme aussi là. À 10 de malheur, ça va vraiment pas le faire. Bon. Quand il veut, hein. Oh là là, c'est chiant quand ça charge, là. 17 de bonheur. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh putain, toutes mes villes. Oh là là, par contre, ça va descendre en flèche. École publique, tac. Désolé, Learn, j'ai pas le choix. Encore proposé.
Oh putain, tu m'as enlevé 2 de bonheur. Enfoiré. Merci, ouais, moi j'ai risqué les. Ouais. Putain, j'étais à 17, enfoiré. Mec, il s'énerve, Gaët. Le mec. Si je fais des centrales nucléaires, mais le problème. Je vais faire une deuxième bombe atomique. Voilà, comme ça j'ai plus d'uranium. Bombe atomique, tu vas te déplacer. Nucléaire, ordonner une frappe nucléaire sur la. Non. Tu vas te déplacer, vois-tu. Hop, voilà, Arnhem. Eh ben écoute, on peut déclarer la guerre, hein, c'est parti. Hein. Hein ? Tu peux pas attendre un peu ? Bah non, mais sinon, non. On balance. Allez hop. On balance, il a dit qu'on balançait. Balance. Non, je déconne, je me tais. Ah putain, c'est quoi ? Un papillon ! Putain, il me fait gagner peur. J'ai eu peur. Ce mec. Le papillon de la dissidence. Bon, bah vas-y, lance, hein, je te laisse l'horreur, mon ami. Je bouge juste mes ouvriers. Je te laisse l'horreur d'attaquer. 2 secondes. Je peux voir. Tac. Mes paras, vous allez aller là. Derrière. Voilà, moi j'essaie de gagner un petit peu de bonheur parce que là sinon je vais être très très mal en point. Je pense que vous avez tous compris les gens. Alors. Putain, mais lui il me sert à rien. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à voir de l'or comme ça et du bonheur, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Il y a un truc qui doit m'échapper à mon avis. Bon, allez, c'est parti. T'es prêt? Go! Barré. En avant. Alors, une intrusion sur les territoires Pakal-Gajamada déclenchera une guerre. Confirmez-vous cet ordre. Aucun. Oui. Bam, nous sommes en guerre. C'est parti. Je commence directement le combat. Oula, putain, pourquoi ça rame un peu, là? Quand je veux sélectionner une unité, c'est quoi ce délire? T'as vu? Quand tu cliques sur une unité, ça fait... Putain, c'est bizarre. Écoute, c'est étrange. Ouah, l'artillerie, c'est puissant. Hein. Je lag un peu, par contre. Hein. Oui, moi aussi. C'est ça que j'étais en train de te dire. Je lag complètement, même. Oui, moi aussi, d'un coup, là. Ouah, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, comme ça, là. Ouah, il est pas content, hein. Oh. Il est pas content, le mec, hein. De qui? Waouh, le jeu, il est pas content. Ah ouais, j'avoue. Bon ben les gens, c'est le lac de l'infini. Voilà le petit épisode, lac j'avoue. De l'infini. C'est bizarre ça. J'ai l'impression. C'est quoi? C'est quoi? Je vais te laisser déplacer tes unités parce que moi j'y arrive pas là. Ah ouais, c'est bizarre. C'est simple, je n'y arrive pas. Oui, mais il y a un lag là, c'est chaud. Ah ouais, là c'est un gros lag. Je sais pas ce qui se passe. Moi j'arrive pas à déplacer mes unités seulement. On va peut-être faire une pause, je sais pas. On va passer le tour, voir si y a moyen de. Bon voilà, je commence à envahir. Au prochain tour. Ah ouais, attends, je vais voir si je peux commencer à bombarder. Alors, bombarde, frappe aérienne, ouais, je peux déjà les bombarder. Oh, je peux aller gaver loin, c'est abusé. Hop. Un dégât? Votre bombardier a péri en attaquant un bazooka? Ah oui, le bazooka, c'est mortel contre les bombardiers. C'est n'importe quoi. Ça me paraissait logique, personnellement. Absolument pas, non. Attends, t'as déjà vu un bazooka viser un... Non, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi cette... Ben, réfléchis, T'as un avion face à un bazooka, il fait quoi? Oui, enfin, je veux dire, un bombardier, c'est censé voler hyper haut. Tu vois le mec au bazooka à terre? Excuse-moi, mais. c'est pas logique. Bref. Ça me semble très logique. Voilà, votre bombardier a bombardé et détruit un archéologue adverse, ça t'apprendra. Non, mais oh. Oh, comment ça rame, ça? Ouais, j'avoue. Bon, je vais pas lancer mes bombardiers tout de suite. Hein. on va attendre un peu.
Je gagne de l'or, tiens, 30. Ah bah oui, bah le bombardier ça m'a fait gagner de l'or, tiens. XD PTDR quoi. Bon, bah on peut passer le tour, hein. Allez, tour suivant. J'essaye. Ouais, parce que là il y a un lac de l'enfer. Putain, les bazookas. Ah oui, un lac de l'enfer là. Wow. Les bazookas c'est sévère, hein. Putain, va falloir que je. Ouais, je les défonce, hein. Ouah, qu'est-ce qu'il a lui? Alors fais voir, c'est quoi ça? Des chars! Ah, il a des chars. Moins 33. Ah, bah c'est d'or. Ce qu'on est en train de rechercher. Je vais lui envoyer. Attends. Je vais lui envoyer la bombe nucléaire dans la gueule. Envoie-la sur Palenque. Ouais, sur Palenque. T'es prêt? Attendez, j'attends deux secondes, c'est un moment de joie et d'excitation intense, s'il vous plaît. Préparation de l'orgasme. Attends, parce que moi je suis encore en chargement. Hein. Attends, je t'attends. Bismarck entre dans l'ère moderne, s'il te plaît. Pff, le mec il est complètement à la ramasse. Alors... Ouh, ils m'ont cassé, tout cassé en bas là. Ils t'ont tout cassé. C'est couillé, con. De quoi? Ah ouais. Ils m'ont... Avec le char là, ça m'a fait super mal. T'inquiète, j'arrive. Faut juste les contenir. Alors, la petite bonbon, bah... Vas-y, je zoome ça, vas-y. La bombe atomique, par contre, quand tu l'envoies, tu récupères le 1 d'uranium? Oui. Ah, cool. Génial. Bah, vous êtes prêts, les gens? Attention, première bombe atomique du jeu. Vas-y. C'est un grand moment dans l'histoire. Alors, si vous voulez, je peux faire grand un petit moment. Discours. Ah, mais merde, mais mon espion, il va crever dedans. Non, t'inquiète. Ah, ok. Bon, bah, c'est parti. BAM! C'est de la bombe, succès déverrouillé. Ouah, succès déverrouillé, ils ont pris cher. Alors là, putain, ouah, ils ont pris cher. Bah ça c'est la puissance de la bombe nucléaire. J'en ai une autre en préparation dans 5 tours. Et je peux en faire une autre aussi ici. Bon bah écoute, ce que je vais faire c'est que je vais en faire encore une autre. Deux bombes nucléaires en préparation. Si Yanamu s'y met, bah voilà, hein, c'est la foire. C'est tout bonnement la foire. Ah oui, mais là, ça va être la foire, là. Ah, ça fait plaisir quand ça marche. Ouais, c'est clair. Du coup, j'envoie tout, là. J'envoie tout, je m'en fous, même si c'est au casse-pipe, à la limite, je m'en fous. J'envoie tout, hein. Je te dis, c'est la charge. Ah ouais, je suis en train de déplacer mes ouvriers, moi, de mon côté, donc... Oh, j'ai découvert Cologne. Les paras qui vont arriver là. On pille, les gens. Ben moi, je peux pas encore. Toi aussi, tu me fais un gros pillage, s'il te plaît, parce que j'ai besoin d'or. Voilà. Oh. Attends, je vais en profiter pour bombarder un peu là en plus. Alors, toi, tu vas me faire le plaisir d'aller le défoncer et un bazooka en moins. Attention, deuxième frappe. Hop. Boum. Ah merde, il est pas mort lui. Putain, il est sérieux lui. Et où? Voilà, moi j'essaie juste de gérer les unités qui sont sur mon territoire. Boum! Un autre en moins! Oh, tu leur fais mal là. Boum! Une unité en moins! Bon bah voilà, Palin qui est à moi dans quelques tours. Je pourrais me rabattre sur Chichen Itza. Alors là, vous pourrez pas dire que vous avez pas d'action, les gars. Par contre, j'étais à 17 de bonheur, je suis passé à 12. Je suis à combien de démographie? 60 millions! D'accord. Moi, vous remarquez les gens que bombarder, que tuer des ennemis me fait gagner de l'or. Ce qui va me sauver pendant quelques tours là, parce que je suis monté à 140 or et ça fait du bien. Ah, j'avoue. Ouais, moi aussi j'avoue. Ah, j'ai du pétrole ici, faut que je le fasse, faut pas que j'oublie. Je suis à 24 en pétrole. Bon bah je peux passer le tour moi.
Moi, tu sais, j'aime bien la base militaire. Oh là là, là, la bombe nucléaire, ça leur a pas fait plaisir. Hein. Oh non. Palinque, putain, Palinque va tomber en 2 secondes. Hein. Avec tous les bombardiers que je vais envoyer, là. Putain, vous voyez la puissance de la bombe nucléaire. Vous voyez, en fait, vraiment, au fur et à mesure du jeu, plus vous découvrez de technologie, plus vous... Vous accumulez une certaine puissance, et à la fin, quand vous octroyez la puissance nucléaire, mais ça devient n'importe quoi, hein. Et en plus, là, pourtant, on a une IA qui est plutôt difficile, hein. On est en roi, je crois. Mmh. C'est ça. Là, tu vois, ça m'a donné envie de faire une troisième heure, carrément. Je suis un malade. Par contre, je vais essayer de parler moins fort. J'aurais besoin de ça, s'il te plaît. Pardon. Ouais, carrément. Hop. Merci. J'ai 7300. Enfin, j'avais 8000, mais bon. Maintenant, j'ai 7300. Ça t'a permis d'acheter quoi? Une bombe atomique. Ah, d'accord. Ok, bah, fallait le dire. Ah bah parfait, tu vas pouvoir l'envoyer sur Tikal. Exact. Ou peut-être pas, je sais pas si c'est vraiment utile en fait. Si, c'est utile parce qu'il a un paquet d'unités à Tikal. Ah j'avoue. Ah ouais, vas-y putain. Bah vas-y alors, passe le tour. Hein. Au prochain tour. Au prochain tour. Oh là 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 là. Au pire, je t'en redemanderai une après. Carrément, ouais. Moi, je fournirai les revenus nécessaires. Hein. Attends, et j'ai accumulé autant d'argent, c'est pas pour rien. Hein. Oh, qu'est-ce qui me sort là? Des fusiliers marines. T'as rigolé pour? Putain, il m'a bousillé un char. Oh, lol. Ah, lol. Je pense que les artilleries elles tirent de loin à 3 cases. Ouah, eux ils ont pris cher. Vous avez découvert pénicilline. Ah bon? Je croyais qu'on était parti sur la main combinée, moi. Non, moi je suis parti sur pénicilline, pardon. Putain, je suis à 9 de bonheur, comment ça descend. Oh, protectionnisme, c'est abusé. Mais je gagne des citoyens à foison, regarde. Je suis déjà à 61 millions. Mmh. La vache. Bon. J'aimerais bien défoncer ces marines. Oui, il m'a fait mal, lui. Ouais, faut que tu balances ta bombe nucléaire, là, sur Tikal, ce serait cool. Ouais, c'est ce que je vais faire, t'inquiète. T'as vu, il a 4 bateaux, il a 4 avions aussi sur Tikal. Ouais. Attention les amis. Wouah. Putain, tu l'as démembré. Oh, tu l'as démembré. Ah oui, ça démembre. Un démembrement dans les règles de l'art, s'il te plaît. Toi ici, tu peux rien faire ici, toi. Voilà, alors. Alors, les bombardiers. Attends, voyons voir ce que je peux faire. Frappe aérienne. Oh, putain. Tu t'occupes de démembrer un petit peu les unités aussi Ah bah carrément, c'est ce que je fais. Ah, je vais pouvoir piller en plus. Qu'est-ce que je prends, les gens? Oh, les mitrailleuses, c'est mortel. Hein. Tac, je pisse. Contre les unités terrestres ou contre les villes? On va prendre contre les villes. Parce que après, on pourra comme ça bombarder Tikal en continu sans arrêt. Et d'ailleurs, de toute façon, Tikal, sachez un truc, les gens, c'est que je la veux, cette ville. Alors, moi, j'envoie tous mes trucs. Bah, je peux envoyer sur Palinque. Hein. Je peux direct commencer à... Oh putain, j'ai bousillé mon char d'un coup. Oh merde, il y a un bazooka ici. Putain, j'avais pas fait gaffe. Oula. Oh, il a résisté. Ouais, toi t'es promu, toi. Toi t'es promu quoi, toi? Je t'ai voulu en infanterie de la Grande Guerre, mais bon, j'ai pas envie de faire ça de suite. Je vais te mettre une évolution exercice histoire 2 et puis tu vas rester là parasite, tu vas régénérer un petit peu, hein. Mignon. Alors, au niveau de la science, écologie, armes combinées. Ouais, je pars sur armes combinées, ça prend. Ah non, t'es déjà dessus. Bah oui, viens sur armes combinées. Ok. Nijmegen, tu vas me faire un hôpital.
Alors, exposition internationale, paf, on fout tout dessus, hein. Ah bah de toute façon, sache un truc, c'est que c'est la prod des villes qui va partir dessus. Hein? Non mais je te parle sur le Nations Unies, là. Ah oui. Ah bah de toute façon, ça va passer à l'aise, hein. Ah ouais, grave. Tout le monde en a besoin, là. Mais sache un truc, c'est que moi, toutes mes villes vont construire ça. Ouais, moi aussi. Ah oui, c'est un truc à construire. D'accord. Bon là, les gens, je lance des constructions bateaux, j'en ai absolument rien à faire de ce que je lance. Comme ça, bien entendu, c'est juste pour avoir... De toute façon, dès que c'est débloqué... Je pars là-dessus à une vitesse phénoménale. Ah, moi aussi, hein, putain. Allez, je passe le tour. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Oh là là, putain, c'est mortel là. Oh, la bombe atomique. J'en ai une prête dans 3. J'en ai deux prêtes dans 4 tours. 4 tours et 5 tours, les deux miennes. Les deux suivantes. Oh putain. Oh, le feu nucléaire va s'abattre. Bon, Palin que sera bientôt. Décédé. Diana. Ouais. Ouais, je t'avoue, ma vive inquiétude quand même, moi, pour Tikal, parce que je suis pas sûr d'arriver à le prendre. Hein. Si, t'inquiète. Promulgué, embargo Byzance adopté, exposition internationale adoptée. Yes. J'ai un zoo qui finit juste après, c'est cool. Alors. Toi, tu... là. Alors là, déjà, vous voyez, je laisse le chargement se faire parce que c'est le chargement de l'infini. Ouais, c'est ça. Hein? C'est le chargement de l'infini, quoi. Complet. C'est complètement ça. Mais le chargement de l'infini, quoi. Non, mais sérieux. Bon, Oh, mon véhicule terrestre celte, il a pris cher, là, par contre. Hein. Allez, fais pas le con, Janky. Janky. Bon, alors, bah, je vais pouvoir... Ah bah tiens, je peux mettre une promotion. Ah non. Est-ce que je pisse ça? Ouais. Ah, on est d'accord les gens, hein, on veut de l'or, nous. Ça. Ah ouais, bon, ça d'accord, il nous faut de la prod aussi, mais bon, voilà quoi. Je ramène toute mon artillerie. Je ramène les paras. Putain, ils servent à rien. Alors, les bombardiers. Ben, les bombardiers, ils vont bombarder. Hein. Même si ça leur fait bobo, je suis obligé. Hein. Donc là, vous voyez, les gens, j'attaque la production de l'exposition internationale. Tous les bâtiments en cours, je les interromps pour partir sur l'expo internationale. Je vais peut-être pas faire ça non plus, mais... quasiment. Je vais pas interrompre mes bombes nucléaires. Laboratoire médical. C'est où exposition tout internationale? Mais y a, pourquoi il y a un point d'interrogation? Parce que c'est en fonction de la participation des autres aussi. Hein. On sera pas les seuls, à mon avis, à participer dessus. Hein. Ah oui, d'accord. Bah, moi, si j'ai des villes, écoute. Donc, ici, je laisse finir sa bourse quand même le tour prochain. Eux, je laisse finir les deux missiles nucléaires qu'ils ont. Et après, je ne pars que sur l'expo international. D'accord. Ah, elle a gagné suffisamment. Hop. De... Paf. Je leur ai détruit un musicien illustre. Ça leur apprendra. Bon, allez, j'envoie tout au casse-pipe hein, pour choper Palinque. Hein. Ouais. Donc, en plus j'ai des bombardiers qui sont derrière. Toi faut juste que tu chopes les bazookas là. Enfin à la limite je peux les avoir mais. On se dort, voilà, ça fait toujours de l'or hein, le pillage.
Oh, il m'empêche de passer, lui. Donc les gens, j'ai bientôt terminé, moi. D'ailleurs, j'ai terminé mon réseau de chemin de fer, moi, de mon côté. Moi aussi, moi ça fait longtemps. J'ai complètement terminé et c'est pas plus mal d'ailleurs. Hein. T'as combien en démographie juste pour savoir? Il va nous embêter longtemps avec ça. T'es à Hey. 43 millions et t'es à 61 millions, enfoiré. Ah ouais, et bientôt ça va être encore plus. Tu passes le tour? Putain, dans 3 tours là. Oh là là. Dans 2 tours, non. Ouais, dans 2 tours. Oh, les deux bombes nucléaires. Pour les finir. Oh, c'est bon ça! Bon, tu passes le tour, Michel? Bah attends, garçon, j'ai encore des avions à jouer, j'ai de tout, moi, là. Attends, garçon, eh oh. M'excuse, regarde Tikal, dans quel état il est. Tika là. Ah ouais. C'est pas mal. Ah, eux, ils ont terminé aussi, là. Où c'est que je vais envoyer ces couillons, là? Allez là-bas. Ah, Édimbourg. Édimbourg, Édimbourg, Édimbourg. Tiens, tu vas faire ça avec la mec. Voilà. Bon. Allez, hop, tour suivant. Voilà, excuse-moi, hein, j'ai un empire à gérer. Palingre sera mienne bientôt. Bon, là, pas qu'elle tienne le prochain tour, non? Si tu la bombardes avec. Ouais, non, t'inquiète, elle est mienne au prochain tour. Voilà. Le mec, il a fait un char, tu sais. Oh merde, Kuala Lumpur m'a déclaré la guerre. Bah oui, forcément, ils sont alliés avec Oh, j'ai plus les que Mayas. 4 de bonheur. Putain, la merde. Bon, attends, Je j'ai tellement comprends. de. Attends, ça je m'en fous. Oh là! Ça je m'en fous. Ouh, j'ai eu un écran noir. Ah merde! Merde, putain, moins 1 d'uranium, fait chier! Kuala Lumpur vous a déclaré la guerre. Fait chier, putain, je suis à moins 1 d'uranium! Me dis pas qu'elle m'a déclaré la guerre. T'inquiète pas, j'ai de l'uranium si tu veux. Putain, attends, je vais juste aller lui parler là. Voilà, elle me fournit de l'uranium contre du fer et des chevaux. J'en ai rien à foutre. Bon, eh ben, c'est parti pour Pacal, hein. Ils ont plus d'unité de nulle part, de toute façon. Si, ils ont encore quelques trucs. Lol. Ils ont des bazookas, des trucs comme ça. Putain, mes fusils, ils me servent à rien, quoi. Allez, hop! Alors, mes avions. Voilà! Palanque est à moi, vous avez pillé 235 d'or. Oh, je suis passé à 21 de bonheur. Oh! 21 de bonheur. Annexer la ville. Ouais, annexer la ville carrément. Ah non, merde, je suis repassé à 6 de bonheur. Alors. De faux espoirs. Le tribunal. Attends, est-ce que je peux l'acheter le tribunal? Attends, je vais l'acheter. J'espère que tu peux l'acheter. Ah merde, non, je peux pas. Ah si, logiquement si, tu dois Non, je peux pouvoir. pas. Pourquoi je peux pas? Je peux rien acheter. Putain, c'est la famine. Ouais, je peux pas encore là. Je peux rien acheter pour l'instant. Alors,
Ah, rien à foutre de Kuala Lumpur. Les Mayas ont remplacé l'Arabie comme l'allié de Kuala Lumpur. Voilà pourquoi ils nous ont déclaré la guerre. D'accord. Yanamu est le joueur contrôlant le plus de capital originel. Original. Original ? Ouais, je sais pas pourquoi. T'es sûr ? C'est ce qui a marqué, hein, écoute, hein. Voilà, hein, non, mais non. Je suis pas d'accord. Bon, il va me ramener quand même ses bazookas, là. Bon, pas mais t'as dû gagner un paquet de ressources de luxe dans l'histoire, là. Bah oui, mais c'est pour ça que je suis monté d'un coup à 21 de bonheur. Mais le problème, c'est que comme j'ai annexé la ville, bah pouf, je suis retombé à 6. Bon, du ah coup, bah oui, c'est sûr, hein. J'ai un espion mon ami, qui... Hein. À Lisbonne, dans 567261 tours, je pourrais voler des informations. Écoute, moi, Chichen Itza dans 27 tours, mais bon, j'y compte pas trop. Nouveau Sarai dans 80 tours, à Médan dans 130 tours et à La Mecque dans 157 tours. Je vais aller en Mongolie. Oh, t'as raison. C'est quoi la capitale de la Mongolie déjà? Quelle idée? Ah, ça doit être Karakoram. Ah oui, exact, je les ai découverts en bas, ouais. Bah, je suis à nouveau Sarai, moi, tu sais, en même temps. Voilà, espion. Bon. Bon, si tu pouvais bombarder Tikal, ça m'aiderait un petit peu, parce que moi, j'ai que deux Exposition unités pour les conquérir. Internationale. Pourquoi il y a toujours des points d'interrogation, là? C'est normal. D'accord. Si tu le dis. Il y aura toujours des points d'interrogation, c'est celui qui participe le plus, en bref. D'accord. Mais ça produit quand, en fait? Ouais, ça va produire à la fin, quand l'exposition internationale sera entièrement construite. Mais c'est quand? Je sais pas. Ça dépend de combien de joueurs on est, que ça dépend de tout plein de choses. Sur toutes les villes, faut le faire en gros. Mmh. Ok. Bah, t'as vu comment moi je l'ai fait, hein. Y a que Cardiff et Edimbourg qui sont pas dessus. Hein. Ah, c'est vrai. Parce que je construis des missiles nucléaires, hein, mais sinon. Un conseil, restez loin de Chichen Itza parce que dès que j'en ai la possibilité, badaboum. Ouais, t'inquiète. Je vais juste virer les bazookas là, et je vais devoir tout reconstruire. Putain. Je vais aller. Ah non, Chichen Itza, tu veux dire? Ouais, vas-y, tu vas bomber et puis moi j'irai la prendre. Bah, dans 3 tours. Ah bah enfin, tiens. Dans 2 tours parce que. Le... Oh ouais, merde, ça les a annulés mes deux bombes nucléaires du coup. Pourquoi? Oh putain, je suis deg. Puisque j'avais plus d'uranium. T'en veux de l'uranium? Ah ouais, j'en veux bien s'il te plaît, ouais. Putain, je me suis fait couiller là. Ah, oh, je suis deg. Ah, oh, je suis deg là. Merci. Bah du coup, putain, je... Est-ce que... Bah tiens, je vais en acheter une. Quoi. Merci beaucoup. Je vais acheter allez, une bombe nucléaire suivant. À 800, allez hop. Voilà, j'ai une bombe nucléaire. Bah oui. Tu l'as acheté sur Arnhem ou sur Tilburg, parce que c'est ta capitale? Bah si. Afin de pouvoir l'envoyer dès le prochain tour. Ah, bah c'est pas grave, tant pis. Non, je compte pas l'envoyer. Non, c'est pas grave. Vu que toi, tu peux l'envoyer... Bah moi, c'est dans 3 tours. Bah c'est pas grave, alors... Bon, bah tour suivant. Hein. Bah on ah passe bah, ce tour moi. Et ça fait 1h03 putain. On se fait une troisième heure. Ouais, on va se faire une troisième heure, ouais, c'est clair. On est des fous. Hein. Ouais. Bah, en même temps, ça fait plaisir, on progresse, etc. On va peut-être éradiquer enfin... C'est les vacances. Ouais. Un des protagonistes. Paquet, il a plus de 680 quand même. Ah bah tiens, j'ai perdu tout mon bonheur flèche. D'un coup. T'es monté en flèche par contre, t'es monté à 1400 points. Ah ouais. Putain, je t'ai dépassé. Bah oui, bien sûr. Attends, t'as pris une ville avec je sais pas combien de merveilles à l'intérieur. Ah ouais. Et c'est une ville sainte pour le catholicisme en plus. Putain, j'ai perdu tout mon bonheur que j'avais accumulé. Je suis deg. Ouais, mais ça c'est parce qu'en plus il y a l'autre là qui me fait. Tu ne me fournis plus de truffes et je ne te fournis plus de textiles. Bah attends, on va se 2 secondes. 2 secondes. Donc, on prend quoi comme technologie d'abord? Ah, je vais terminer l'armée combinée, c'est vrai. On fait quoi? Fusée. Ouais. C'est quoi tout ça là? On fait fusée ou informatique? La fusée. Allez. Le programme Apollo. Wouah. Alors attends. Ouais, moi aussi. Alors, a fait la paix. Le Japon a publiquement dénoncé le Portugal. Le Portugal a dénoncé l'Arabie. Genghis Khan a fait la paix avec Pakal. D'accord. Vous avez découvert l'armée combinée. Exact. Théodora a déclaré la guerre. Théodora a déclaré la guerre à Pakal et à l'Indonésie. Bien. La Mongolie et les Mayas ont fait une déclaration publique d'amitié. Et on a découvert armée combinée. Voilà. Bon.
Alors, ici. Exposition internationale. Ouais, je peux faire un chef-d'œuvre. Attention, tout le monde se tait. Là. Attention. Hugues Wolf, musicien. Das Verlassene Madeleine. Ah oui, Madeleine. C'est très beau. Oui, il faut savoir que l'Antoupé parle régulièrement le quoi déjà ? L'allemand. Non, je déconne. Je suis une grosse bite en allemand. C'est pour ça qu'au bac, je vise le 3. À l'écrit, bien sûr, je parle. Bon, oui, on s'arrête là, du coup. Et on reprend juste après. En tout cas, on espère que... On s'arrête là ? Ouais. Ouais, on s'arrête là, ouais. Donc, on espère que vous avez apprécié cet épisode. On a enfin commencé à apprendre... À envahir. Ouais, c'est bon, c'est parti. Donc là, tous les prochains épisodes seront des épisodes action de la mort qui tue. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Yanamu pour déposer plein de pouces verts, tout votre amour possible. Ou des pouces rouges aussi si vous détestez, hein, c'est possible aussi. Voilà, allez, portez-vous bien, salut à tous. Donc on vous remercie à tous naturellement d'avoir regardé ce magnifique épisode de Civilization 5, où c'est que nous avons envahi Palenque, enfin où c'est que Learn to Play a envahi Palenque. Yeah. Moi je vais essayer de me faire tical, mais c'est vraiment pas gagné. Donc n'hésitez pas en effet à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et pour ma part, ben, je vous dis ciao les gens. Allez, tchou. Ciao.